Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo maquillage. Oui, j'ai les cheveux jaunes. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette couleur, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée juste avant. Je vous mets le lien quelque part, j'essaierai de pas d'y penser cette fois-ci. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu ma routine teint pour l'été et on va tester cette petite nouveauté, c'est la palette Tarte. Comment elle s'appelle en fait? Je sais même pas son nom. C'est Be A Mermaid et Make A Waves. Donc c'est la dernière collection de Tarte et franchement j'ai craqué sur la palette. Voilà, elle est juste super jolie. Je l'ai juste swatchée sur mes mains quand je l'ai reçue. Je l'ai jamais essayée sur mes yeux, donc on va faire ça ensemble. Ça va être vite fait. Mes sourcils sont déjà plus ou moins faits parce que je les avais fait avec le Wonder Brow hier. Et comme vous savez, c'est un produit qui tient plusieurs jours. Ça c'est vraiment pas mal, surtout l'été quand on a un peu la flemme. Bref, on va commencer tout de suite. Je vais commencer déjà par appliquer ma crème hydratante. Donc en fait moi c'est la Herborian Bamboo Matte crème à effet poudré. Donc du coup ça va venir hydrater votre peau tout en gardant cet effet mat. Voilà, pour si vous avez la peau mixte à grasse, franchement elle est top, je l'aime beaucoup et en plus l'odeur est un peu particulière, mais quand on s'y habitue ça va. Ça fait une bonne sensation de frais là, surtout avec les chaleurs qui commencent à arriver, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Comme l'été je ne maquille pas beaucoup, je vais juste venir mettre de l'anti-cerne. En ce moment j'utilise les produits Make Up Revolution comme anti-cerne. Là j'ai atteint C7 et C8. Je vais prendre la C8, c'est la plus foncée parce que j'ai pas envie de quelque chose de trop marqué, de trop clair en fait sous mon œil, étant donné que je ne vais pas mettre de fond de teint. Je prends ma petite éponge de chez H&M qui commence à être bien usée d'ailleurs, il va falloir que je change. Et je viens estomper tout ça. J'hésite pas à descendre, voilà, pour venir quand même unifier un peu le teint avec ce qui me reste de produit. Je vais venir en rappliquer un tout petit peu dans les cernes parce que là j'en avais pas mis beaucoup. Et je vais en mettre aussi sur la paupière, ça va me servir de base pour la suite. Ensuite, je vais venir poudrer juste le dessous de l'œil. Alors là, c'est une Z palette. Je prends cette poudre jaune. En fait, c'est la poudre jaune de Kat Von D que j'ai achetée à l'unité parce que bah, j'avais fini celle qui était dans ma palette Kat Von D et que j'aime beaucoup cette poudre. Du coup voilà, je l'ai mis là en attendant de dépoter l'autre parce que ça fait 5 ans que je dis qu'il faut que je le fasse et que je le fais jamais. Donc juste bien poudrer comme ça, ça vient rapporter une correction couleur sous le dessous de l'œil et ça vient fixer ben, l'anti-cerne. Pour le reste du teint, je vais utiliser une poudre compacte. Là c'est celle de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Poudre lissant, éclat, franchement, moi je trouve pas qu'elle lisse, mais bon, au moins, juste, je viens légèrement poudrer le reste du teint, en fait. S'il n'y a pas trop besoin. Voilà, c'est vraiment vite fait. Pour le bronzer, le contouring, aujourd'hui, on va utiliser ça. C'est le Bahama Mama de chez The Balm. Hop, je le prends avec le pinceau bronzer de chez Elsa Makeup du kit, le Gold Mill Kit. C'est la sortie de mon t-shirt aujourd'hui. Même le packaging est la sortie, je vais y arriver à mes cheveux. Pas fait exprès. Hein. Je viens légèrement réchauffer mon teint. On veut pas quelque chose de trop marqué. J'ai le temps de prendre des couleurs encore d'ici cet été. Je vais passer aux yeux, je vais mettre mon petit serre-tête pour pas être gênée. J'adore à chaque fois, mes petits cheveux. Bref, mes sourcils. Alors je vais juste mettre mon petit gel à sourcils de chez H&M dont je vous ai parlé dans la petite routine à sourcils.
c'est juste pour les remettre un peu, remettre légèrement un peu de couleur. Mais pas trop, ils sont déjà faits. Allez, je vais vous rapprocher, on va faire les yeux. Donc du coup, je viens prendre cette petite beauté. Regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est top. Je vais venir prendre cette teinte-là. Et on va la mettre dans le creux. Il y a beaucoup de pigmentation sur cette palette. Déjà, quand j'ai swatché, je trouvais qu'elle était très pigmentée. J'attendais de voir à l'utilisation. Et là, pour un fard mat, il est quand même plutôt bien pigmenté. Sachez que Tarte livre en France et que vous n'aurez jamais de frais de douane. Parce qu'en fait, les frais de douane sont compris dans le prix. Donc, quand là, cette palette, il me semble que je l'ai payée 50 euros. Les frais de douane étaient compris dans, dans le prix. Donc, pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Voilà, c'est bon à savoir que... On va utiliser le bleu le plus foncé. Et on va le mettre dans le coin externe. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Là, comme vous voyez, c'est bien pigmenté. Je vais prendre un pinceau estampeur. Le bleu comme ceci, le bleu vert trop jaune. Alors si vous voulez pas commander sur le site de Tarte, mais que vous voulez la teinte que je viens de prendre, la Splash, ce genre, ce bleu turquoise un peu vert. Exactement, donc la même teinte dans la palette Zoeva Rodeo Belle. Hop, celle-ci, c'est à peu près la même teinte. Je pense que si je swatch les deux, elles sont plutôt similaires. Et ensuite, pour finir, je vais prendre la teinte Bubble qui est genre de violet turquoise, on sait pas trop quelle couleur celle-ci. Hop, je prends avec un petit pinceau plat et on va venir la mettre dans le coin interne. Je la voyais plus violette. Finalement, ça c'est un fard qu'on retrouve beaucoup en ce moment sur toutes les nouvelles et les dernières palettes qui viennent de sortir. Et moi, il me fait penser au fard Solstice d'Urban Decay qui avait fait sensation à l'époque quand ils l'ont sorti. Et maintenant, on le retrouve dans beaucoup de palettes. Cette teinte-là. Il est dans la Desert Dusk de Huda Beauty. Moi, j'avais une palette de Makeup Geek avec, en collaboration avec Mani Amua. Et il y a une teinte qui est pareille, qui ressemble vachement. Je l'ai vu autre part, je crois. Ben, même dans la palette, dans la palette Life is a Festival de Too Faced, que j'ai aussi et que je vous ferai aussi un tuto bientôt. Il y a une teinte aussi qui ressemble, il me semble. Et même dans la Clover aussi de Too Faced. Bref, voilà. Donc là, pour les yeux, oh j'adore. Je suis fan, je vais passer mon rati, que j'ai pas maquillé encore. Et on va prendre quelque chose de totalement différent. Moi, soyons fous. Soyons fous, je vais prendre un petit pinceau boule et je vais prendre la teinte caverne, qui est celle-ci. Qui est un genre de brun cuivré foncé. J'ai eu quelques petites chutes, je suis en train de vous dire. Hop. Ils sont super méga pigmentés, c'est pas. Alors j'avais déjà une palette Tarte, une édition limitée. La pigmentation était bien, mais sans plus. Sur celle-ci, elle est vraiment top. Oh, top de chez top.
Mon dieu, que c'est bon. J'adore. J'adore vraiment. Je reprends la petite couleur mate que j'avais pris au début pour estomper un peu le râti. Dans le coin interne, on va prendre la teinte la plus claire qui est le, comment il s'appelle, Nude Beach. Comme c'est l'été, j'aime bien mettre des produits qui sont waterproof, donc je vais utiliser le Better Than Sex en version waterproof, logique. C'est pas mon préféré. Enfin, autant la version normale, je l'adore, mais en version waterproof, déjà je trouve qu'il est pas ultra waterproof, hein. C'est pas le meilleur. Et puis je trouve l'application du produit est différent, même si j'adore la brosse. Il est différent, je l'aime moins ouais, en version waterproof. Par contre, j'adore le packaging. Il est bleu avec des genres de gouttes d'eau, c'est vraiment très sympa, c'est une bonne idée. Mais voilà, il est pas super efficace. Disons que si je dois aller me baigner, c'est pas lui que je vais prendre. Là, pour la journée, voilà, pour juste un peu. Pour pas qu'il bouge. L'été, c'est pas mal, mais... En blush, du coup, bah, je vous le disais, j'avais une autre palette de Tarte. Elle se présentait comme ceci. C'était la collection de Noël. En fait, bon, bah, vous l'ouvriez et vous aviez tout ça. J'arrive même pas à vous la montrer en entier. Donc, il y avait tout un tas de couleurs, plus des blushs, un highlighter et un bronzer. Et deux produits lèvres, un crayon noir et un mascara. Donc là, j'ai déjà bronzé ma face. Donc, on va venir utiliser le blush pêche un peu irisé. C'est le genre de blush que j'adore porter l'été. Et pour l'highlight, je vais prendre aussi cette petite palette. C'est pas les plus pigmentés. Enfin, peut-être qu'ils ont d'autres produits plus pigmentés que ça, mais ça fait l'affaire. Non, ils sont quand même bien. Je pense que vous le verrez pas parce que là, je suis en lumière artificielle. Je pense pas que ça se voit bien. Ça fait plus naturel avec un pinceau un peu large. J'ai envie de mettre sous le sourcil. Ah, ils sont plus pigmentés comme ça. Ah ouais, mieux. J'adore faire le rouge. Bon, du coup pour les lèvres, je vais rester aussi chez Tarte. C'est un nude. Donc c'était celui qui était dans la palette de la collection de Noël. C'est un lip paint en teinte. J'en sais rien. Peut-être que... Non, je suis pas sûre que ce soit la bonne. Bon, je sais pas. Je vais essayer de la retrouver. Je mettrai de toute façon tout dans la barre d'infos, comme d'hab. Voilà, c'est un nude classique. Voilà, j'ai terminé avec ce look. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Moi, personnellement, j'adore. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter. En plus, en été, c'est coloré. Voilà, ça sent l'été. En plus, avec mes nouveaux cheveux, je trouve c'est top. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un maquillage finalement très coloré, mais très facile à faire. Moi j'adore, vous savez que j'aime beaucoup les make-up colorés et voilà, c'est l'été donc il faut se lâcher. Je trouve que c'est le moment où on peut se lâcher vraiment le plus, voilà. D'où ma nouvelle couleur de cheveux aussi. Hein. Bref, je vous fais plein de bisous bien sûr et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime.